deux invités de marque que j'aime profondément. Zazoun et Bach. Zazoun et Bach. Pas ces deux bouffons. Non, de vrais artistes. Comme on n'en fait plus, qu'on n'en fait pas assez. Mon Dieu, le grand cinéma français pour un film extraordinaire que j'ai vu et que j'aime beaucoup à la fois tendre et drôle. J'ai nommé Franck Dubosc et Kev Adams. Merci les garçons d'être là, vous êtes là pour un film extraordinaire qui s'appelle Fiston qui sort dès demain. Une comédie de Pascal Bourdieu avec aussi Nora Arnezeder, Schwarzenegger, qui est aussi très jolie, très mignonne. Schwarzenegger. Kev, qu'est-ce que tu as appris de Franck, comédien aguerri déjà? Qu'est-ce que tu as appris de lui? Bah beaucoup, forcément, quand t'es sur le tournage toute la journée avec lui, il y a un contact, tu vois, quotidien, de minute par minute, qui fait que t'observes le gars bosser, que t'apprends forcément des techniques et de tout ça, quoi. Et toi, Franck, t'as appris quoi de Kev? J'ai appris qu'il savait bien écouter les conseils des grands. Est-ce que ce rôle a fait écho un peu à le fait que t'es des enfants, que t'es devenu papa par rapport à la transmission, ou même toi par rapport à ton père? Vous êtes sur France Inter. En tout cas, j'ai découvert une chose, c'est que moi j'ai eu mes enfants tard, et je me dis que ça aurait été pas mal non plus d'avoir un gamin. En fait, Kev, si je l'avais eu, j'aurais eu à 28 ans. Et ça aurait... C'était possible. Oui. Ouais, c'est fort possible. Et ça aurait été pas mal parce que tout à coup, t'as l'impression d'avoir un pote, quoi. Je m'en rends compte... Et là, je me dis, putain, j'aurais un vrai pote. Je pourrais même sortir avec ses copines et tout, tu vois. Alors, en fait, je voulais juste savoir, dans la rue, en fait, quand on vous croise dans la rue, c'est lequel qui se fait le plus radier par les meufs, en fait? Alors, en fait, je vais te dire la vérité. Et ça va te paraître fou, ce que je vais te dire, mais peut-être Franck, il sera pas d'accord avec moi, mais moi, je crois que c'est vraiment ça, la vérité. Les plus âgés, en général... Elles viennent plus vers WAM. C'est vrai, c'est le cougar, petit mignon ouais. de la télé. Ouais. Et les petites jeunes, elles n'osent pas trop venir vers WAM et elles regardent, elles draguent un peu Francky. En admiration. Je dirais pas quelle émission on a fait cet après-midi, mais on a fait une émission cet après-midi. Il y a une petite meuf qui est arrivée qui avait plus mon âge. Bref, une émission. Et Francky, bon, Francky est marié, donc il est fidèle, mais il se fait bien draguer, moi, je te le dis franchement. C'est vrai, Franck? Pas du tout. J'adore. Non, je voulais dire une petite anecdote, c'est que Kev et moi, on a la chance de se connaître un soir par une amie en commune qui s'appelle Nora. En commune. Schwarzenegger. En commune, mais oui, tu sais, il est. Oui, on est elle en commune. Elle est magnifique, enfin, cette meuf. Ensemble, elle est jolie, hein. À cette époque-là, vous avez un petit secret avec Kev qui n'aurait pas été divulgué jusqu'à ce matin. Fais attention au petit secret avec Zazou. Attention, Zazou. Ah, le secret ce matin, il était dit dans l'IB, mais tranquillou. Bah quand même, il a été repris. Allez, lâche. Il a été repris de ouf. C'est quoi? Qu'il a fait des petits bisous à Nora, quoi. Et oui. Nora, et il dit pas où? Alors si, mais c'est la suite de l'interview. Qu'en gros, il y avait une petite histoire sympa qui s'est créée pendant le tournage en parallèle. Ce qui voilà était un homme honnête. Et Kev l'a dit honnêtement ce matin, il en a parlé en même temps. T'as eu la même chose pour Daniel Evnou. Et puis exactement.